reçoit notre invité avec le concours des auteurs, William Chanchou, Donald Jacep et Colin Zwanchou, qui crée Project Fosso, Joseph Fosso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Jatuy, qui est également produit parce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est présidente de Fernando. Ah bon? Et okay. Beaucoup plus encore, hein, elle n'est okay. pas que ça. D'accord. Elle s'appelle Madame Colette Jatuy. Sans blague. Je t'assure, une grande dame, elle est magnifique. Bonsoir, madame. Bon week-end aussi. Bonjour. Tati, je t'adore. On reçoit. Moi, j'ai jamais su comment on prononce ça. C'est Céline Orgel Kensop. Kensop. Oui, il y a un T. Orgel Kensop. Bon, moi, j'ai Kensop. Kensop. D'abord Orgel, Kent et puis Kensop. Voilà. Tu sais pourquoi moi, j'ai toujours de la peine avec ça, hein, Mamiton? Parce que je ne t'ai jamais appelé autrement que Mamiton. À la télé, dans la rue et partout, je t'appelle Mamiton. Et je me souviens, il devait faire 2005 et à la télé, tu apparais. Tu es Mamiton, justement, hein, et tu es la seconde épouse qui crée le désordre dans toute la série, qui met la série sens dessous, dessous. Et depuis l'époque, tu es justement l'une des femmes les plus fortes, l'un des visages les plus charismatiques, l'une des voix les plus autoritaires dans le milieu du cinéma. Je ne veux pas te cantonner à la gente féminine, dans le milieu du cinéma camerounais, et dire que tu étais partie pour être plutôt une sage-femme qui aujourd'hui se retrouve en train de donner la vie à des œuvres cinématographiques. Oui, tu es une sage-femme d'une certaine façon. Oui. Les œuvres depuis 2005, tu les as enchaînées. Enchaîné toujours avec le même charisme. Foyer polygamique, belle-mère, reine blanche, ennemi intime. Je pense que là, tu es sous la coupe de Ebenezer Kepombia. Voilà, Abiba, tu vas faire conséquence, madame, monsieur, conséquence tribale, Miramba, madame, monsieur, femme autoritaire, l'homme du mensonge, les filles de Mamiton, les mimes de Mamiton. C'est vraiment, voilà, Choco. Voilà, donc sur tous les supports, Mamiton est présente à la télé, sur Internet, elle fait rêver. Comme je disais, qui aurait pu soupçonner que la jeune dame qui est partie de Loom et qui rêvait d'être juste sage-femme pouvait se retrouver à ce niveau, être adulée de la sorte et représenter vraiment, hein, on va dire, l'image et le modèle de ce qu'on attendrait de la personnalité dans le cinéma, la personnalité modèle du cinéma. Et à chaque fois, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Donc après ton Canal d'Or 2011, 2013, et même le prix spécial gagné au Festival Comané, et surtout en rajoutant ton engagement social, puisque tu es la présidente d'honneur de l'Association des personnes préférées, un combat que tu portes avec l'ambassadrice, voilà, un combat que tu portes avec beaucoup de noblesse. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Bienvenue, Mamiton. Yes, Mamiton est notre invité ce soir. Yeah. Elle nous rejoint sur ce plateau. C'est pas toi qui m'as toujours mis les mauvaises idées dans la tête. Ah, tu es un mauvais bon. C'est ton fils. Pourquoi tu veux m'écarter de ton mariage, Frankie? Qu'est-ce que tu viens de faire ici, maman? Assister à ton mariage, bien sûr. J'ai constaté que ta fiancée et toi, vous vous aimez beaucoup. Je viens vous apporter ma bénédiction. Tu es mon seul fils qui me reste. La guerre inutile que j'ai faite avec Chantal m'a fait comprendre qu'il vaut mieux pour une maman de laisser ses enfants faire le choix. Le fait qu'un vieillard comme lui veut épouser une gamine est la preuve qu'il est un déséquilibré mental extrêmement dangereux. Dis-moi un peu, Massa. Comment est-ce que Bengono va appeler cet ancêtre? Papa ou chéri? Arrête de me disposer avec tes idées bidons. Pardon, mon Dieu, aide-moi. La souffrance, c'est que je suis dedans. Il n'y a que toi, je n'ai personne. Donne-moi la santé, mon Dieu. Donne-moi la force de pouvoir finir avec la pensée de mes enfants. Hey, gangouma lambo. Gangouma la. Pourquoi tu crois qu'il m'a parlé comme ça? Je n'ai pas pu dormir paisiblement. Yé, yeah, maman, tu as oublié que tu dois me donner l'argent depuis. Quel argent? Mais ça fait 2 semaines que tu es passé au marché prendre mes plantains que tu partais au funérailles avec. Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas passé. Ça fait quoi si je n'ai pas l'argent? Si tu ne m'as pas vu au marché, est-ce que je n'ai pas l'argent? Je veux de l'argent pour aller en brousse. Je ne l'ai pas. Tu me suis partout. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais à gauche là, je vais à droite là, partout dans la maison, c'est quoi? C'est même quoi même? Tu surgis comme le champignon partout. Colle-moi la paix! Ton problème c'est quoi? Je ne comprends pas comment, avec ton gros mari ici,
vous n'arrivez pas à faire d'enfant. Maman, qu'est-ce que le poids y voit? Mélanie, s'il était maigre, on devait comprendre que peut-être il est malade. Mais ton type mesure au moins 1,92 m sur au moins 100 kilos. Ah. En tout cas, qu'il revienne vite boire les concoursures que j'ai emportées. Hein. Maman n'était jeune même pas, il ne boira jamais ça. Ipendongo, ne me pousse pas à bout. Parce que si j'ouvre une enquête dessus, on verra bien que l'argent que tu avais, c'était pour l'aider à s'échapper. Et tu n'as consigné cela nulle part. Dans quel registre de ce commissariat tu as consigné cet argent? Dis-moi qui sont tes complices. Tu veux les protéger? Appelle-moi Ipebop. Je suis sûr qu'il est de mèche avec toi. Elle est avec nous.